Anne-Elisabeth Lemoine s'est confiée avec beaucoup d'humour à propos des soucis familiaux qu'elle doit parfois gérer à distance pendant les coupures publicitaires de l'émission C'est à vous lors d'une interview accordée au magazine Elle. Anne-Elisabeth Lemoine a une vie de famille pas toujours facile à gérer. La présentatrice est aux manettes de l'émission C'est à vous diffusée sur France 5 depuis maintenant 6 saisons. Chaque soir, plus d'un million de téléspectateurs suivent le talk show avec des invités politiques, économiques ou culturels. Anne-Elisabeth Lemoine est entourée d'une belle équipe pour faire vivre ce programme, Patrick Cohen, Émilie Tranen-Guyenne, Mohamed Bouafsi, Pierre Lescure, Mathieu Belliard ou encore Bertrand Chamerois. L'animatrice est toujours souriante, joyeuse et quelque peu gaffeuse, ce qui est d'ailleurs devenu la marque de fabrique de C'est à vous. Pendant le Festival de Cannes 2023, une partie de l'équipe menée par Anne-Elisabeth Lemoine a posé leurs valises sur la croisette pour faire vivre l'événement aux téléspectateurs avec tous les soirs des invités exceptionnels. Anne-Elisabeth Lemoine, un rythme de vie exigeant. L'animatrice a un rythme de vie effréné comme elle l'a expliqué dans une interview accordée au magazine Elle. En effet, dès 7h30 du matin, Anne-Elisabeth Lemoine commence sa longue journée en faisant une séance de sport. Puis, dès 9h, elle commente les audiences avec son équipe puis à 10h, il commence la conférence de rédaction pour l'émission du soir. Toute la journée, elle travaille d'arrache-pied avec son équipe pour préparer les sujets qui seront diffusés quelques heures plus tard. Elle anime ensuite le programme de 19h à 21h et ne rentre finalement pas chez elle aux alentours de 22h, soit de longues journées toujours chargées. D'ailleurs, à cause de cet emploi du temps très serré, la présentatrice doit souvent gérer des situations familiales délicates pendant l'émission. J'essaie d'arranger des choses, Anne-Elisabeth Lemoine se confie à propos de sa situation familiale quand j'ai divorcé du père de mon aîné, qui a aujourd'hui 19 ans, je me suis retrouvée seule avec un enfant en bas âge. Il a fallu s'organiser. Au moindre pépin, il fallait gérer. Je ne vis qu'avec des mecs que j'ai surnommés mes bras ballants. Le grand peut m'appeler pour savoir où est sa carte d'identité et mon mari pour me dire que le petit a saigné du nez. À distance, je suis assez impuissante, a-t-elle confié à nos confrères. Avant de continuer, j'essaie d'arranger des choses pendant les coupures pub. De toute façon, j'ai tendance à décider pour tout le monde, je ne sais pas déléguer. Je suis au volant d'un hors-bord avec trois skieurs nautiques derrière. Et ça me va très bien. Malgré son quotidien bien rempli, Anne-Elisabeth Lemoine est 7 ans bien que mal d'être présent pour Arthur, 19 ans, Vasco, 9 ans, et son mari Philippe Coelho.